avec sa tête, avec son ventre, comme ça. Et si vous regardez de loin, vous voyez un nez, un œil, une moustache. Et c'est vrai? C'est Dali. Regardez, quand vous reculez, vous voyez une princesse, et quand vous avancez, vous voyez un homme. Avec mon marquant, avec un P, le poids de ralliement, et avec Alix, votre famille d'accueil. Non, tous les soirs, maman vous cherche à l'heure qui est marquée dans votre programme. Je crois que c'est ça, marqué là. Oui, merci. Bravo. Ah, Myriam. Prenez vos valises. Au revoir, bonne soirée. Les Républicains. Ah oui, ils ont dû fuir parce que Franco et ses troupes armées ont voulu prendre le pouvoir en Espagne. Donc les Républicains se sont défendus. Il y a eu une guerre ici entre les franquistes et les Républicains. D'accord. Donc ils ont détruit le village. Et pour garder la mémoire en fait, de ce conflit, ils ont gardé le village en ruine. Mais peut-être qu'il y a encore des. C'est vraiment. Mais non. C'est un témoignage. Nous sommes en Espagne, mais malheureusement, il pleut et nous allons essayer de rentrer à l'abri d'un musée. Il pleut, c'est la fête à la L'architecture de cette église est très très moderne. Les troncs et le plafond, car j'ai déjà vu des églises, mais pas aussi belles que ça. Je crois que c'était la première fois. Oui, mais à la télé. Sens de l'idée d'élévation, c'est très haut, c'est très fin, c'est des hauteurs, et bien c'est ce qu'on veut d'une cathédrale, non? Que ça monte vers Dieu, c'est bien. Et la somme des deux côtés au carré est égale à la somme de l'hypoténuse. Au carré. Et en dessous, il y a la forêt de colonnes, et vous descendez l'escalier avec des dragons qui crachent de l'eau. Ça, je l'ai pas vu, par exemple. Alors, vas-y. J'ai plus de madeleine, cherchez-moi. Tu vas te mettre en maillot de bain pendant 2 heures. Allez, pas moi qui le fais. Bah alors ah, vas-y, non, vous êtes pas dans les forêts dessus. Ah bah oui. C'est bien, vous y êtes allés, c'est bien. Ils avaient cru qu'en se levant, du haut de leurs 15 ans, le soleil sécherait le sang. Souvent ils fermaient les paupières.
est important, c'est de voir la quantité des personnes qui se trouvaient sur cette plage, sans eau, sans électricité, sans pouvoir se laver, sans pouvoir cuisiner. Ils n'avaient rien à manger. Vous l'avez vu tout ça? Donc là, on voit l'endroit où ils étaient parqués. Et c'était des personnes comme ça.